Peps Border Collie. L'apprentissage par le jeu, tout simplement. Salut, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel, enfin j'irais plutôt dire une astuce de grand-mère qui va vous permettre d'organiser au mieux l'arrivée de votre chiot lorsque vous avez déjà des chats chez vous à la maison. Alors cette astuce fonctionne vraiment très bien pour l'avoir réalisée plusieurs fois moi-même. Mais ce qu'il y a, c'est que cette astuce, je tiens à le préciser, ne fonctionne que lorsque vous allez arriver pour la première fois avec votre chiot dans votre domicile. Si votre chiot s'y trouve déjà depuis quelques jours, il est déjà trop tard que pour pouvoir le faire. C'est une méthode de socialisation très rapide avec un chat. Et vous allez voir que l'astuce est assez simple, mais il faut vraiment faire ça donc dès le départ, au moment où vous allez arriver à la maison, et il faut la préparer 2-3 jours auparavant. On passe tout de suite à quelques explications qui vont vous faire comprendre pourquoi les chats et les chiens ne s'entendent pas. C'est assez simple, c'est parce que les codes canins et les codes félins sont en fait tout à fait différents, et la manière de s'exprimer d'un chat et celle d'un chien d'un point de vue corporel est totalement différente et est interprétée d'une manière tout à fait autre par un chien. Imaginons simplement que votre chat se mette dans une certaine position parce qu'il est méfiant, et bien le chat lui l'interprétera fort probablement comme une position qui lui donne envie de jouer et un appel au jeu. Ce qui fait que le chat n'appréciera pas le chien parce que justement il en a peur, et de l'autre côté le chien dira pourquoi est-ce qu'il ne joue pas puisqu'il est occupé à me faire des signes qui me font comprendre qu'il a envie de jouer. Et voilà, en fait, le chat et le chien ne parlent absolument pas le même langage corporel, ni même vocal, bien entendu. Mais c'est pour cette raison que les chats et les chiens ne s'entendent pas et ne se supportent pas, en grosse partie en tout cas. Imaginez-vous simplement que vous alliez dans une tribu que vous ne connaissez pas, qui ne parle absolument pas le même langage que vous, et qui arrive vers vous en tendant un bâton levé de cette manière-ci. Eh bien, vous allez avoir peur et vous allez penser que cette personne veut vous agresser. Alors que dans sa culture et dans son éducation, c'est simplement une manière de vous dire bonjour. À chaque fois que vous allez avoir une personne de cette tribu qui va venir vers vous et qui va lever un bâton, vous allez toujours avoir peur et vous allez toujours avoir cette angoisse de prendre le bâton sur le coin de la figure. Et bien en fait, chez le chat et le chien, c'est exactement pareil. Pendant toute leur vie, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont émettre des signaux que le chien va interpréter d'une manière et que le chat va interpréter d'une autre, et ils ne se comprendront jamais, ce qui va toujours faire que le chat va poursuivre le chien va poursuivre le chat, et ainsi de suite. Le chat va souffler, le chien va aboyer, tout ça parce qu'ils n'arriveront jamais à avoir les mêmes codes. Et ça, ce n'est pas possible de leur apprendre. Une fois que la socialisation a été faite, que le temps de socialisation donc du chiot est passé, il ne s'adaptera plus jamais. Vous arriverez donc à gérer votre chien lorsque vous êtes en sa présence. Vous allez pouvoir lui demander de s'asseoir, de se coucher, mais vous n'allez jamais arriver à faire que votre chat et que votre chien s'entendent. Alors, ce n'est pas une généralité, bien entendu, il y a des fois où ça fonctionne, mais c'est vraiment plutôt rare. Si vous souhaitez avoir une association gagnante, il y a beaucoup plus de probabilités que ça fonctionne très bien si vous avez un chiot et un chaton. Alors les deux vont évoluer ensemble, vont grandir ensemble et vont créer un code qu'ils vont comprendre à eux deux. Il leur sera unique parce que votre chien, lorsqu'il sera plus grand, aura compris les codes du chat avec lequel il a grandi, mais il ne comprendra pas pour autant le code des autres chats. Tout comme la socialisation d'un chien se fait avec des chats, bien entendu, mais comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, le chien va être socialisé par exemple avec un chat blanc, va accepter très bien les chats blancs, mais n'acceptera pas les chats roux, les chats à taches, les chats noirs, etc. C'est pour le chien un animal différent à chaque fois, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa taille, quel que soit son pelage. Pour le chien, le chat est un être à chaque fois différent. Tout comme lorsque vous faites la socialisation avec votre chiot, il faut penser à lui apprendre ce qu'est un enfant à quatre pattes, une personne âgée avec une canne, une personne âgée avec une chaise roulante, un homme, une femme, des gens de couleur. Tout ça, en fait, ce sont toutes des personnes qui sont différentes pour le chiot et qu'il faut lui montrer de façon à ce que sa socialisation soit vraiment bien faite. Parce que pour lui, c'est à chaque fois un être différent et donc il va falloir lui apprendre. Alors maintenant que vous savez pourquoi les chats et les chiens ne s'apprécient pas, on va directement passer à l'astuce et je vais vous expliquer ce qu'il faut faire pour que l'avenue du chiot se passe au mieux et que la socialisation entre votre chat ou vos chats se passe au mieux avec votre chiot. C'est parti. L'astuce en fait, elle est super facile. Ce qui se passe, c'est que votre chiot, quand il va arriver chez vous, eh bien il sera déstabilisé, il sera perdu parce qu'il va déjà y avoir le voyage, il va y avoir la séparation avec sa mère, la séparation avec sa fratrie, il aura quitté aussi l'espace dans lequel il vivait et qu'il connaissait, et puis il va arriver dans un endroit qu'il ne connaît pas, où il n'y a aucune odeur, qu'il va devoir découvrir, et puis vous aussi, vous êtes des illustres inconnus, là qu'il va devoir apprendre à connaître, qui allait être sa nouvelle famille, mais qu'il ne connaît pas encore pour le moment. Eh bien, on va profiter justement de ce moment où le chien est complètement perdu et déstabilisé pour créer avec le chat une socialisation très rapide et très forte en lui mettant du beurre sur la tête. Je vous explique. Je suis certain que là pour le moment vous êtes occupé à vous dire « mais qu'est-ce qu'il est occupé à nous raconter ?» Vous savez que les chats aiment le lait, mais vous savez que les chats aiment le beurre également. Alors ce que vous allez faire, c'est plusieurs jours auparavant, vous allez commencer à donner une petite noix de beurre chaque jour à votre chat, à l'endroit précis où vous allez faire les présentations. Ce qui va se passer, donc, c'est que le chat va prendre l'habitude de venir chercher sa petite récompense, sa petite noix de beurre sur votre doigt à l'endroit précis. Le jour où vous allez arriver avec votre chiot, qui comme je vous l'ai dit sera un petit peu déstabilisé, eh bien vous allez le prendre à bras et au moment où vous allez rentrer chez vous, ce que vous allez faire, eh bien vous allez lui mettre une noix de beurre mais sur le front. De cette manière-là, le chiot sera toujours de toute façon un petit peu déstabilisé, sera calme, aura du beurre sur la tête, vous allez voir, ça sera peut-être drôle pour vous. Le chat, lui, va vouloir s'approcher pour venir chercher sa petite noix de beurre. Alors vous allez voir que le comportement est un petit peu spécial, les chats sont méfiants, mais par gourmandise, le chat va vouloir venir lécher le beurre qu'il y a sur le front. Pour l'avoir fait plusieurs fois, j'avais des chats quand j'étais jeune, on l'a fait à chaque fois, et ça fonctionne vraiment très très bien. D'ailleurs, pour vous donner un petit exemple, ce qui s'est passé, c'est que ce sont vraiment les chats qui sont occupés du chiot par la suite. On avait 3 chats. Et donc ce sont à chaque fois les chats qui sont occupés du chiot. Ça arrivait 2 fois. On a plusieurs personnes qui nous suivent, qui ont essayé cette expérience donc sur Facebook, qui ont dit que c'était assez étonnant de mettre du beurre sur le front du chiot, mais ça fonctionne vraiment très très bien. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que le chat va venir donc manger la noix de beurre. Il va venir la lécher, le contact va se faire très très fort, c'est une socialisation express, parce que pour une socialisation, il n'y a rien de mieux que le contact. Ce qui va se passer, c'est que le chiot va très bien accepter le fait que le chat vienne lui lécher la tête. Comme il est petit, ses côtes ne sont pas encore vraiment marquées de manière à ne pas apprécier le chat, il est en pleine période de socialisation. Le chat, lui, par gourmandise, va venir lécher le chiot et va se rendre compte en fait que c'est un bébé et tout va bien se passer parce que le chat va accepter le fait que c'est un bébé, ne sera pas désagréable avec. Le chiot, lui, va très bien accepter le coup de langue parce qu'étant perdu, il va y trouver du réconfort et il va avoir même l'impression que c'est un petit peu un coup de langue de sa mère. Et donc, cette socialisation très forte va se faire à ce moment-là. Alors, une fois que c'est fait, que le chat à manger le beurre, ce que vous devez faire, c'est ne pas protéger, ne pas surprotéger le chien, de façon à ce que, justement, il n'y ait pas déjà cet effet d'hyperattachement, etc., et de se dire, voilà, je suis préférentiel par rapport au chat, et inversement, donc, ne défendez ni l'un ni l'autre, laissez-les se trouver l'un et l'autre, vous allez voir que ça va être un petit peu difficile, mais laissez-les dans la même pièce, laissez-les se découvrir, et vous allez voir que ça va se passer vraiment très très bien. Ah oui, encore une chose que j'aimerais bien vous dire, c'est que si vous voulez vraiment mettre tous les atouts de votre côté et que vous n'avez pas l'habitude d'éduquer des chiens, il est préférable de prendre une race de chien qui est calme. Alors vous avez des bulldogs anglais, vous avez les dogs de Bordeaux, vous avez les bergers allemands, vous avez vraiment plein de chiens qui sont relativement calmes lorsqu'ils sont chez eux à la maison. Et préférez plutôt de prendre un chien comme ça que de prendre un border collie qui va déjà être plus difficile à éduquer parce que ce sont des chiens qui sont, comme vous le savez, hyperactifs. C'est des chiens qui sont toujours au taquet et même s'ils sont intelligents, il faut toujours faire attention et veiller sur eux parce que justement ils sont toujours actifs. Donc privilégiez, si vous n'avez pas l'habitude d'éduquer les chiens, de prendre un chien qui est plus calme, de façon à avoir un chat qui va quand même pouvoir continuer à vivre tranquillement, sans devoir vivre perché sur une armoire ou à l'étage. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est à prendre en compte pour que le chat puisse continuer à vivre normalement. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Si vous avez apprécié notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner. Il y a moyen d'appuyer sur la petite cloche, d'appuyer sur le petit pouce en l'air si vous avez apprécié. Et puis d'autre part, si vous ne nous suivez pas encore sur Facebook, vous pouvez nous y rejoindre. On y poste vraiment beaucoup de photos et pas mal de conseils, autres que les vidéos qui sont ici sur YouTube. Vous pouvez nous suivre également aussi sur Instagram. On se retrouve très prochainement. Et alors ce qu'on peut vous dire, eh bien, c'est beaucoup de bonheur avec votre chat et votre chiot. Laissez-nous un petit commentaire si vous avez essayé cette astuce. Et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Allez, bon entraînement, salut!